Bonjour à tous, bienvenue au Pet Jeu Solo. Aujourd'hui, c'est un déballage, ça fait un bon petit bout de temps, je n'en ai pas fait, d'un jeu que j'ai reçu récemment. On voit ici, c'est Carnival Zombie, deuxième édition. Donc la première, je n'avais carrément pas au courant qu'il y avait une première édition. J'ai vu ça passer un moment donné sur Kickstarter et que même la compagnie Albé Pavot, je ne connais pas. Mais aussi, on voit ici, c'est que Dice Tower en avait parlé avec beaucoup de bien. Et ce qui m'avait convaincu de faire un pledge sur ce jeu. Donc, on va l'ouvrir ensemble. De ce pas. Donc, je vais ouvrir la boîte. Donc, boîte ouverte, on se retrouve avec le plateau de jeu que je vais ouvrir maintenant. Donc, c'est un plateau qui semble, qui est double face. Que j'ai pas dans le bon sens. Donc voici comment se présente. Il est très bien. J'aime les couleurs. Les contrastes en utilisant les couleurs. On voit ici des belles illustrations. Bon, probablement qu'on va mettre des cartes ici. Tout là, elle me semble assez fonctionnel. On est dans la ville, donc c'est Venise ici. Donc on est ici dans Venise et on. C'est là qu'on balance, qu'est-ce qui est écrit là finalement, qu'on va jouer. Je ne sais pas si le côté c'est une autre ville. Effectivement, c'est une autre ville, Mediolanum. Que je ne pourrais pas vous dire c'est quelle ville que c'est. Je ne connais pas. Donc, un autre plateau différent. Donc, c'est intéressant qu'on ait ces joies-là. Donc, c'est que je vais le replier. Comment il va s'appliquer là? Ok. Par ici qui s'applique. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de. On retrouve un beau sac, mon Dieu, assez grand. Hein? Très, très grand. On peut vraiment plonger la main, les deux mains dedans sans problème. Un autre sac ici. Bon, c'est peut-être le sac qui vient avec. Avec la version de. Ben, c'est une version de luxe Kickstarter, donc c'est peut-être ce sac-là qui remplace le sac que je viens de vous montrer, parce que lui, on voit qu'il a dessus un dessin, puis en réalité, il me semble un petit peu. Ah, c'est la même qualité de vélo, mais lui, il me semble un petit peu plus de qualité, lui de droite. C'est pas la même toucher. Ok, donc ce sac-là. Que je remets dans un sac, en réalité, je remets les choses comme elles sont. Ok. On a les livres d'instruction ici. Donc, un mois de campagne ici. On voit ici qu'on a deux manières de gagner le jeu, c'est soit de fuir Venise ou de tuer le Léviathan. Je n'ai aucune idée vraiment comment ce jeu se joue. On voit qu'il y aura des figurines. On nous présente les cartes. Donc, c'est pas un style de livre d'instruction que j'ai vraiment beaucoup à faire. C'est comme très, très espacé. Avec des couleurs, on dirait des couleurs longues. C'est une couleur à chaque page. Hein. On aurait dit qu'il y a des couleurs un peu différentes, mais c'est un peu la même couleur. C'est très aéré comme livre. On voit que c'est pas des colonnes et des colonnes de texte sans arrêt, là, comme certains jeux ont. Donc, on a ici toute la liste des composantes du jeu. C'est la carte tactique. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'autre, peut-être qu'on va tomber dessus un peu plus tard. Bon, là, c'est un peu plus du texte qui explique les actions à jouer. Quand même, des belles illustrations. Donc, la qualité du papier est très bien aussi. Là, je suis rendu à la page 22. Donc, ça me semble pas être un jeu super complexe. Là, moi, les instructions sont tellement mal faites, là, mais...
Jusqu'à date, jusqu'à maintenant, c'est 30 pages de d'instruction, mais 30 pages, comme vous voyez, avec bien fait, vraiment bien fait pour l'instant. Ça, c'est le guide de Venise. Donc, ici, on a un autre livre pour le guide de l'autre côté, le Mediolanum. Bon, okay, ça a l'air un petit peu plus difficile. Je ne sais pas si c'est moi qui rêve, là, mais entre les deux, je n'ai pas l'impression que celui-là est un peu plus démoniaque, un peu plus ardu comme. Comme mode de jeu, mais je peux pas vous dire exactement pour qu'est-ce qui est différent entre les deux en réalité, à part probablement les monstres et l'histoire. Donc on continue, c'est un peu le même style de livre d'instruction, très aéré, beaucoup d'images. Donc j'aime bien comment que ça s'est fait. Il y a pas d'index, j'ai pas vu d'index cependant, donc si on cherche quelque chose. Bon, ça devrait bien aller, j'espère. Il n'y a pas une. OK, les pages sont en haut. 18 pages pour lui. Donc, ça vaut. On a vraiment beaucoup de documents là-dedans. On a ici de Holy Bomb. Ça s'appelle Holy Bomb. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas parce qu'on a d'autres. Là. On a juste. Donc, c'était des scénarios différents. Parce que c'est des feuilles de bon, des feuilles de carton très flexibles, mais qu'on voit que chaque feuille a l'air à être vraiment pour un scénario particulier. Le docteur, les expériences du docteur Gorini. On a un autre ici qui s'appelle The Airship, donc le vaisseau aérien. Nuit sans aube. Le pont de la liberté. Le bateau, le navire, tout simplement. Donc, c'est comme c'est toutes des mises en place pour des scénarios différents. Il y a une super diversité. Donc, là, je suis rendu maintenant à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La pestilence, il y a une maladie en Venise. Et ça, je pensais des aides de jeu, même pas. Destroyer ship. Un autre, ben, non mais c'est vraiment beaucoup là, ce que je peux voir, le véhicule blindé. Ok, là c'est c'est des aides de jeu pour certains éléments de jeu, mais regardez-moi tout ce qu'on a. C'est incroyable, tout ça, on en a, plus savoir quoi en faire. Oh, on a un qui s'ouvre ici. Donc c'est comme des aides de jeu, on voit tous les différents personnages. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, vraiment, c'est la première fois que je vois ça, un jeu à part les livrets d'instruction, qui a une quantité assez imposante de pages séparées comme ça en carton. C'est vraiment. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on utilise vraiment un à chaque partie, un différent à chaque partie? Je pourrais vous dire, c'est ce que je crois. Mais il y a vraiment beaucoup de matériel imprimé là-dedans, là, vraiment beaucoup. Donc, on va les mettre en ordre. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a par après? Ben finalement, les planches de jetons qu'on va dépuncher. Bon, ça, si je monte la boîte, on est rendu ici. On voit ici qu'on a un insert de plastique. On voit avec tout ce qu'il faut pour bien que ça s'insère bien correctement. OK. Donc, on aura plusieurs planches. Je vais vous ouvrir ça, qu'on puisse voir la qualité des... graphique de tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, les jetons, différents jetons bien ordinaires qu'on connaît. On a des lieux ici. Différents lieux. C'est bien fait. Elle a un petit air Arkham, hein? Ce que je peux voir. Juste la manière que sont faits les bâtiments, les tunnels, là. OK, on a ça ici, des standees finalement, mais moi j'ai la version avec des figurines, donc peut-être que c'est des monstres que j'ai pas de figurines, c'est peut-être les personnages que j'ai pas des figurines, je sais pas, mais pour l'instant il y a plusieurs standees qu'on peut retrouver ici. Une roue, une grande roue, différents jetons d'état, genre de dragon, un squelette de quelque chose, un dragon, un verre, pour vous dire. Une quatrième planche, des statues, une croix, donc probablement
des éléments qui vont nous faire de différents scénarios. Encore des standees ici. OK. Donc, on a quatre planches de. Puis en passant, c'est du carton très épais, vous voyez là, mais c'est. Oui, c'est une très bonne qualité de carton. Ça là-dessus, rien à dire. Et là, on tombe dans les belles figurines. Oui, il y en a quand même une bonne quantité. Donc ça, ça s'enlève. Et là, on voit aussi que là-dessus, il est écrit différent. Et on voit exactement c'est quoi là. Bon, ben. Est-ce que ici, War, ça veut dire un guerrier, administration, je sais pas là, mais. Tous des figurines ont tous un petit, des abréviations qui nous dit qu'est-ce que c'est. Bon, probablement, parce que sinon, ça va pas déranger de mettre tous ces... Donc, on a tout ça ici. On va prendre le premier plateau avec la grosse figurine. La plus grosse qu'on peut voir. Je vais commencer avec elle, pourquoi pas. Donc, vraiment, le squelette, tantôt qu'on voyait du... je disais c'est un dragon, mais c'est ça, hein? Hey my God, il est super gros. Il va être un plaisir à peinturer. Il y a le petit détail là-dessus, les écailles, c'est fou. C'est très, très bien fait. OK. Autre figurine. Voici, c'est ça. C'est un genre de... Je pense que je l'ai vu tantôt en stand-y, celle-là. C'est de... C'est, ouais, ça tient, c'est très, très dur. C'est la super bonne qualité de résine. Comment continuons? Ici encore un genre d'ennemi. Regardez ça, le détail ici, là, au bout. C'est super super mince, fragile et tout. Et ça tient, hein? Ça cassera pas. Ben, ça peut casser si je force dessus vraiment fort, mais c'est vraiment du solide. Donc, les figurines, ils ont vraiment bien. On en a pour notre argent, je crois. Donc, oups, un prêtre ici. Ouais. Très beau. Très beau, regarde. Super bien fait. Bon, continuons. On s'est lancé les passer le plus possible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un ennemi. Ça, il bouge pas, c'est comme sur un poteau. Là. Il est comme accroché là, puis... C'est pas peut-être un garde, mais hey, c'est vraiment, hey, c'est très bien fait. Moi, je reviens pas. Les figurines, maintenant, comparées à ce qu'on avait il y a 5-6 ans, là, la qualité a vraiment augmenté. Hein. OK, voici un qui a pas de bras. Donc, ici, on voit qu'il y en a, c'est coupé ici, les bras. Bon, ça, c'est voulu. Là, c'est un monstre qui est fait comme ça. Donc, on sent une attaque quand même assez dangereuse, sûrement. Chercher un autre. Et voilà, avec sa petite valise. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous amène, celui-là. En tout cas, ça va être vraiment un plaisir de peinturer ça. Alors, voici, c'est une autre couleur, ceux-ci. Si on compare avec. Ouais, ils sont différents, les couleurs. Donc, ça doit être un des héros, j'imagine. D'habitude, c'est ce qu'on fait. On mélange. On a des couleurs différentes pour les héros et les monstres. Donc, du détail en voulez-vous. Ah. Un autre héros avec sa petite. Avec son hachoir. C'est très bien fait. Et la dernière de ça, c'est elle ici. Oui, celle-ci, il manque un bras. Je sais pas, il y a un bras ici pour qu'il tient son arbalète, mais après ça, l'autre bras, il est où, lui? On dirait qu'il manque un bras parce qu'on voit qu'elle a comme la manche ici qui est collée. Donc, un autre personnage qui a pas de bras. Bon, dans la boîte, il y a d'autres figurines, on va les voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, des sacs, évidemment. Voici les feuilles des personnages. Colombine. Capitaine. On voit que c'est vraiment un style vénitien. OK, mais non, on la voit. Elle a un bras ici, comme ça. Donc, c'est moi qui ai mal vu avec... OK, c'est juste vraiment moi qui ai mal vu.
Ok, on le voit son bois, il est ici, là, finalement, là. Juste là, ok. C'était pas évident comme ça. Avec, je pense que ces cartes-là vont nous aider beaucoup à les peindre aux bonnes couleurs, vraiment. C'est intéressant. Ok, on voit le fameux boucher qui sont hachoir, qui est du vert, ok. Donc, les créatures ont le sang vert. En voici un autre, Brigella. Pantalon. Médico de la peste. OK, le médecin. Et des cartes qui nous. Des aides de jeu. Donc on a ça dans la boîte. On a des cubes là, bien ordinaires comme on connaît, là, des cubes de bois là, que c'est très très standard. Je vais aller chercher tout ce qui reste dans le fond. Donc des cubes ici encore, mais qui sont imprimés, donc des ressources, probablement. Printed Wooden Cube. Donc, probablement que ça faisait partie de l'édition de luxe. Ou peut-être ça vient de tous les jeux, je ne sais pas, mais intéressant. Puisque là maintenant, on a des cubes, encore une fois, verts, bleus, avec rien dessus. Donc, des cubes verts, bleus, des cubes gris. On avait rouge et jaune tout à l'heure. Donc, ces cubes-là. Des cubes bruns. Oh! On met des marqueurs ici. Tout est en bois, c'est très bien. Des cubes violets. Des cubes blancs. Bon, les couleurs, des cubes pour les différentes couleurs. On peut, c'est un jeu de 1 à 6, je crois. 1 à 5 ou 1 à 6, mais bon. Bon, on va le voir. Si on regarde les aides de jeu, on va voir jusqu'à combien ça peut jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ce serait 1 à 6. Donc, normalement, il y a 6 couleurs de cube. On a des supports pour nos standees. Des cubes noirs. Et des cartes. Donc, des cartes. Non, 2 paquets de cartes. Voici les 4 cartes que j'ai. Donc, des équipements. On va ouvrir ça. Donc, si je peux ouvrir ça sans me arracher les cheveux. Bon, pour mal faire, je ne me suis pas pris de petit couteau pour aller ouvrir ça. Ce que je fais à l'instant, je m'excuse un peu de la petite interruption, la petite pause que je fais. Donc, des cartes avec... des cartes qui sont relatives aux personnages. Sont ciel en dos. Chaque personnage a ses propres cartes. Donc, on voit que celui-là, on va regarder le premier ici. Lui, bon. Il y a la nourriture. Un AK-47, OK. Ça se passe pas dans le passé. On est dans le présent, tout à fait. Un AK-47, voyons donc. Un tomahawk. Lancer une grenade. Qu'est-ce que ça fait, là, AK-47, en réalité? Gondole. Des gants anti-requins. Ah bon? Une montre, des dog tags là, pour quand t'es un soldat, tu identification de la personne. Une caméra infrarouge, ok, bon, mais là, on voit qu'il y a des éléments assez modernes là-dedans, donc on s'entend que ce sera pas, je pensais que c'était plus dans il y a quoi, 2, 3, 400 ans, mais non, pas du tout. Donc ça, c'est un autre personnage, donc on voit que c'est pas les mêmes bomb blasters, c'est pas les mêmes cartes. C'est pas du tout les mêmes équipements. Donc, c'est vraiment le fun. Puis il y en a vraiment une bonne quantité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cartes différentes par personnage. C'est donne vraiment une bonne asymétrie. Très bonne asymétrie même. Donc, allez voir les autres paquets de cartes. Qu'est-ce qu'il en dit? Probablement les cartes. Ok, ça c'est un endroit différent. On a encore une fois des personnages ici, puisqu'il y en a 6, ben plus que 6, mais on voit qu'il y a beaucoup de cartes relatives aux personnages. Et on a ces cartes-là ici, qui sont différentes. Donc ça, je vais les mettre ensemble. Ça, c'est quoi ces cartes-là? Est-ce que c'est des cartes d'événements? Probablement. Bon, on voit quoi? C'est un Allemand, ça, ou quoi? Ça se passe peut-être durant la Deuxième Guerre mondiale? Peut-être.
Ouais, ça va être des cartes d'événement ou quelque chose comme ça. Ou des cartes, ouais. Hope is dying. Chaque personnage gagne plus un stress. Donc, ouais, des quais, c'est des cartes qui ne me donnent pas une mauvaise nouvelle passe-temps. Ok, donc ça va aller ici. Ces cartes-là vont là. Ok, d'autres choses ici. On a un beau jeton en métal. Probablement le jeton du premier joueur. Très beau. Je vais vous le montrer sans. Peut-être que ça focus bien. Bon, très bien. On a ces cartes-ci. Est-ce que c'est des cartes par rapport au mode solo ou quoi? Je ne sais pas. Voici l'endo. C'est le même pour tous. Ah, ça va être des cartes d'ennemis, là. Ça va être des ennemis qu'on rencontre. Ouais. Ah, ouais. On le reconnaît, on l'a vu tout à l'heure sur une des figurines. Donc, on va s'amuser à peindre ça. Comme ça, à un moment donné, c'est pour ça que vous ne verrez pas le jeu tout de suite de la chaîne avant que je. Est-ce que je les peins, je respecte la peinture, les couleurs telles qu'on voit sur les cartes, ou je fais du sun drop pour les monstres et je peins sur juste les héros, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, c'est le fun parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut, mon Dieu. Regardez celui-là. Oh, OK. On a tout ce qu'il faut pour bien peindre. On a toutes les références qu'il faut pour peindre. Donc, et ça, c'est quoi? C'est-tu le boss final ou quoi? Il est différent des autres. Donc, on a ces cartes-là. Donc, on va mettre ici toutes les cubes, premièrement. Toutes les cubes ici. On va mettre ça s'en vient comme ça. Vous voyez? Comme ça, donc, en réalité, on met tous les jetons ici. Et aussi, on a un autre. OK, cette fois-ci, puis cependant, on peut. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Des fois, il y a des choses cachées. Non, non, rien du tout. Donc, encore les figurines, comme je voyais tout à l'heure, celui avec la bouche, la bouche au ventre. Ouais. OK. Donc, on les fera pas une par une, là, mais on voit qu'on a encore 6 héros ici, qui sont en blanc. Et un paquet d'autres monstres, un paquet d'autres ennemis ici. Donc, ils sont. Non, la couleur, c'est très, très bien fait. Très bien fait. Fait que je sais pas comment créer ce problème, puisque le matériel, il y a des cartes là, pour les monstres, mais comment qu'on se bat, tout ça, ben, je sais pas, mais j'ai hâte, je pense que je vais l'apprendre parce que, ben, on en s'entend que 20, ben, livre d'instruction, il est pas trop, trop, trop imposant. Donc, ça va pas être un jeu trop difficile à apprendre. Il doit être bien puisque Star Wars a mis son saut d'excellence, quoi. Je me fie beaucoup à eux. Bon, mais ben, c'était le déballage de Carnival Zombie. Fait que, si vous trouvez ça très intéressant et vous voulez une partie, ben, faites-moi le savoir. Et ça me fera plaisir de dépêcher, de peinturer le tout et de faire une partie. OK? Donc, on se revoit bientôt. À la prochaine. Bye!